60 secondes, pratique. Voici Expat Nutrition, présenté par Candy. Pierre, 32 ans, expatrié au Texas. Candy, je pars en France pour faire du ski. As-tu des conseils pour ne pas prendre de poids ? Les vacances au ski peuvent être en effet un challenge parce que même si on est très actif en journée, c'est souvent plus tartiflette ou raclette que du poulet grillé et des légumes verts. Et je ne parle pas du petit verre de vin épicé au coin du feu. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques mesures assez simples pour éviter de prendre du poids pendant son séjour au ski. Alors ça paraît évident, mais ça va toujours mieux en le disant. Pour éviter de cumuler trop de calories, essayez de faire au moins deux fois par jour un repas équilibré pour pouvoir être un peu plus flexible le soir sans pour autant vous lâcher. Comme ces deux repas équilibré doit vous apporter de l'énergie suffisante, privilégiez un petit déjeuner salé plutôt que sucré, pain, protéines, laitages, fruits, noix, et un déjeuner composé de légumes, protéines maigres, glucides complexes, en finissant par un fruit frais et ou un laitage. Le soir, une petite part de raclette ou tartiflette est parfaitement acceptable. Commandez une assiette de légumes verts à côté et évitez surtout de cumuler un plat très riche avec un dessert très riche lui aussi. Par exemple, tartiflette brownie, c'est pas terrible. Choisissez entre les deux parce que vous risquez de vous sentir très lourd après le dîner, mal dormir et du coup mal récupérer de votre journée. Les boissons alcoolisées le soir au coin du feu, pas besoin de s'en priver complètement, ce serait un peu tristounet, mais juste une chose, évitez les excès. Les boissons alcoolisées sont très riches en calories et elles ont tendance à fatiguer l'organisme et à déshydrater. Donc si vous voulez vous réveiller en pleine forme le lendemain et profiter à fond des joies des pistes, mieux vaut vous limiter à un verre ou deux grand max. Le ski est une excellente activité physique pour brûler des calories. Profitez au maximum de votre temps sur les pistes et engagez-vous aussi dans toutes les activités disponibles en station. Si vous avez besoin d'un snack entre deux pistes, n'hésitez pas à opter pour des fruits frais, des noix ou des barres de céréales, faibles en calories et pas ultra transformées. Évitez de vous laisser tenter par les chocolats chauds, les autres aliments tentants présents dans les stations. Préférez plutôt les options saines chaque fois que possible. L'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Les vacances sont un moment pour se détendre et profiter, mais les excès sont toujours regrettés au retour. Donc, trouvez le bon équilibre entre rester en forme et vous faire plaisir. Bonnes vacances! C'était Expat Nutrition par notre experte Candy. Pour en savoir plus, slimwithcandy.com. françaisdanslemonde.fr